L'Université de La Réunion offre plus de 200 formations au cœur de ses 5 facultés, dont celle des sciences et technologies. Cette dernière présentait aux élèves ce samedi les perspectives et débouchés offerts par le département, sans oublier les grands projets auxquels ils pourront apporter leur pierre. C'est le cas du futur circuit nature qui parlera de La Réunion au fil du temps et qui abritera le musée Thérésien Cadet et son arboretum. C'est grâce à Thérésien Cadet que est né en 1982 donc l'Université de La Réunion. Et évidemment, un objectif, c'est un patrimoine fabuleux. On a l'arboretum qui a été planté par lui et sa femme au tout début de l'université. Et évidemment, l'objectif, c'est de valoriser tous ces travaux de botaniste avant-gardiste. Et c'est grâce à lui que la flore réunionnaise est connue à ce point de nos jours. La faculté des sciences et technologies connaît un grand succès au moment de ses journées portes ouvertes. Chimie, sciences de la vie ou de la terre, physique, sciences pour l'ingénieur, un éventail de possibilités s'offre aux jeunes qui sont en pleine réflexion sur leur avenir. Comme c'est la période Parcoursup et tout, ils nous ont dit d'élargir nos voeux. Moi, de base, je suis pas très intéressé par l'université, mais c'est toujours bien d'avoir un vœu universitaire. Et du coup, je suis venu voir les licences qu'il y avait. Je suis plus intéressé par licence maths, ingénieur. Les matières scientifiques, c'est un matière plus. Depuis tout petit, j'adore les matières scientifiques, les maths et tout. D'accord. C'est un domaine qui recrute beaucoup et qui a beaucoup débouché et ça nous passionne aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, les mathématiques, la physique, mathématiques les et physique. Ouais. L'Université de La Réunion attend plus de 3000 personnes sur ses campus du Moufia et du Tampon. À l'occasion de cette matinée de découverte des lieux d'études et de vie, une visite en présentiel qui revient pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire.